domicile. Ils sont très fournis. J'aime ça. Fait que, ouais, il est rendu 11h30. Puis ce matin, je me suis fait en retard, là, vraiment. Mon rendez-vous, il était à 10h. Et je me suis fait en sursaut à genre 9h35. C'est comme pas à côté de chez nous, là. Fait que, ouais. Fait, c'est ça, j'ai pas vlogué ce matin parce que j'étais trop en retard. Mais là, je reviens de mon rendez-vous et puis je m'en vais chez moi. Et j'ai une couple d'affaires à faire aujourd'hui. Puis je suis en train de vlogger comme d'habitude. Puis je suis vraiment partie sur une lancée là, de vlogger. Je suis vraiment contente. Donc, ouais, je vais continuer sur cette lancée-là. Et puis j'aimerais ça filmer aussi un vidéo haul aujourd'hui. Comme récemment, j'ai acheté une couple d'affaires, pas tant d'affaires, mais j'avais le goût de vous les montrer. À suivre, mais là j'ai vraiment faim et donc je vais vous laisser et on se revoit plus tard. Ah, que c'est déprimant! Il a fait pas beau toute la semaine. Genre, je peux pas croire qu'il fait pas beau de même. C'est tellement déprimant là. Là, en ce moment, je suis comme dans le salon, je finis mon café. Il fait full sombre, comme si c'était le soir, il était 5h. Je vais finir mon café, puis après ça, je pense que je vais faire mon workout. Ma workout! Puis je veux filmer une vidéo, fait que, en tout cas, je voulais écouter la nouvelle vidéo de Cassandra Bouchard. Une Q&A, fait qu'en tout cas. C'est ça que je vais faire, et puis je vais faire mon exercice après. See ya! Donc aujourd'hui je fais le flat abs fix. Ah. Bien sûr que ça ferme quand que je suis là. Bon, ok. Et pour ceux qui se demandaient là, comme moi c'est des DVD de même, dans le fond que j'ai acheté sur Kijiji. Puis il y a plusieurs DVD là. Il y en a vraiment une couple. Là. Puis là c'est écrit mettons c'est quoi qu'il y a sur celui-là. Puis dans le fond ça vient que ben le kit là, il coûte comme 40$. T'as comme toutes les CD DVD, t'as le plan comment faire ta semaine. T'as d'autres DVD, t'as un livre avec des recettes, t'as une autre affaire. Ça, je sais pas trop c'est quoi. Puis en dessous de ça, t'as comme ben moi je l'utilise jamais là, mais un attends, je vais vous montrer. Un truc de même aussi qui vient avec. Mais moi, je l'utilise pas. Je prends des poids que j'ai chez nous. Parce qu'en fond, souvent, qu'est-ce qu'ils te demandent d'avoir, c'est des poids. Des légers puis des un peu plus lourds. Ça, on s'en fout. Là, tu prends un matelas que tu as chez toi ou un petit matelas. Puis, oh, et serviette, là. Fait que, tu sais. Fait que, la fois, ce que ça ressemble, le calendrier, là. C'est comme semaine 1, tu fais ça qu'ils disent ici. Du lundi au dimanche. Semaine 2 aussi. Sinon, il y a comme. Ils disent qu'à partir du 15e jour, tu pourrais faire comme cette semaine-là, la troisième semaine. C'est tout le temps deux exercices. Fait que, en fond, au lieu d'être une demi-heure, c'est une heure. Mais moi, j'ai pas fait ça. J'ai juste fait trois fois ça. Puis là, vu que j'ai fini, ben, je fais un peu aléatoire. Là. Comme lundi, j'ai pris un break. Parce que là, j'ai fait 21 jours sans prendre de break. Fait que lundi, j'ai pris un break. Fait que mardi, j'ai fait le cardio fixe. Mercredi, j'ai fait le upper fix. Ah, mais là, je préfère le lower fix. Je l'ai pas fait. Parce que là, j'ai mis le flat abs fix. Mais je pense que je vais faire ça, puis demain, je vais faire les jambes, genre. Ouais. Fait qu'en tout cas, je vais un peu aléatoire, là, vu que je l'ai fini, là, juste pour dire que je fais de l'exercice. Je suis en train de me faire un petit masque lush, puis j'avais oublié à quel point j'aimais les masques lush, les masques frais, là, que tu mets dans le fridge. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté un plat avec l'autre fois avec mes 5 pots. Je me suis acheté un masque et j'ai pris amalgame d'algues. Puis ça, c'est vraiment bon. Les algues, dans le fond, c'est bon vraiment pour la peau. Là. Fait que moi, j'ai dit que je voulais un masque pour l'acné vu que ma peau a roche ces temps-ci. Puis peau sèche en même temps. Fait que les algues, ça nourrit. Puis l'aloe, ça la pêche et adoucit la peau. Fait que c'est comme... Ça va marcher pour mes deux problèmes. Puis... À quel point ça fait du bien parce que genre c'est ça va dans le frigo fait que c'est froid puis tu le mets dans ton visage c'est tellement rafraîchissant là, comme c'est encore froid là ça fait comme deux minutes que je l'ai mis puis
c'est encore comme ça l'agit sur ma peau comme full frais. Fait que c'est ça que j'ai pris avec mes 5 pots que j'ai ramenés. Puis si vous saviez pas, dans le fond, c'est ça, vous ramenez 5 pots comme ça vides, faut vraiment bien les nettoyer. Là, la fille, elle me l'a dit, comme s'ils sont pas nettoyés, elle les prend pas parce qu'après ça, c'est elle qui est pognée pour les nettoyer. Fait que c'est un peu poche. Hein. Fait que dans le fond, c'est ça, de bien les nettoyer, faut plus qu'il y ait rien de résidu. Puis après ça, ils font refondre le plastique des pots pour refaire d'autres pots. Fait qu'ils ont comme leur propre usine de plastique, là. Fait que c'est quand même cool, là. C'est vraiment bien pour l'environnement. Puis aussi, j'ai pris bouffée d'air frais. C'est un tonic, j'ai pris le petit pot là, parce que je voulais essayer avant. C'est un mélange d'aloès rafraîchissant, de rose apaisante et d'herbes purifiantes pour une peau lisse et équilibrée. Fait que ce qu'elle m'expliquait, c'est que si t'as des spots plus sèches dans ton visage puis d'autres plus gras, ben ça, en le mettant, ça va comme venir unifier. J'ai la peau hyper sec à cause que j'ai pris Accutane là, comme vraiment beaucoup d'années. Là. Je sais pas si je l'avais déjà mentionné, mais ça a fonctionné comme vraiment bien, mais ça la sèche hyper la peau. Là. Ben, ça la sèche tout ton corps, en fait. Là. Tout. Fait que, c'est ça. Puis là, on dirait que depuis comme 2-3 ans, là, ben, j'ai comme des réapparitions de boutons, puis ça m'énerve, parce que ça, c'est censé, tu le prends une fois, puis c'est plus censé revenir tes boutons. Puis je l'ai pris pendant comme 1 an et demi en plus à Cutane, en tout cas, c'est revenu. Puis là, j'ai des rages de boutons des fois, puis comme en ce moment, ça fait 2-3 semaines que j'ai plein de boutons qui partent pas. Fait que, tu sais, habituellement, quand t'as de l'acné, c'est parce que t'as la peau grasse, parce que ta peau sécrète beaucoup de sébum, puis ça te fait des boutons. Mais moi, j'ai comme vraiment la peau sèche, déshydratée, puis j'ai quand même des boutons, fait que c'est un peu fucky. Là. Fait que, en tout cas, je vais essayer ça, là, puis le masque, là, en tout cas, je vais essayer de... Pour vrai, là, le pot a l'air petit, mais je vous dis que ça dure vraiment longtemps. Là. J'en ai quand même appliqué beaucoup. Là. Il a commencé à sécher, fait qu'il paraît moins. Mais je l'ai quand même appliqué beaucoup, puis ça dure quand même pour au moins 7 masques, là, je dirais. Là. Fait que si tu le fais chaque jour, ou 2 jours, mettons. Là. Puis là, je suis en train d'écouter La Casa de Papel, La Maison de Papier en français. Puis c'est vraiment bon, là. Je suis au dernier épisode, donc c'est full stressant. Là. En tout cas, si vous l'avez écouté, vous savez c'est quoi, là. C'est un braquage de banque, ben dans la fabrique de monnaie, là, où ils font l'argent. Puis ils ont pris en otage comme 67 personnes. Fait qu'en tout cas, c'est bon. Tout le monde me disait, faut t'écouter ça, c'est malade, là, c'est vraiment bon, mais comme, je trouve ça bon, mais c'est vraiment long, là. Il y a 13 épisodes de 1 heure, puis de l'épisode 1 à 13, ben, les gens sont en otage, puis ils veulent pas les redonner, puis là, ils négocient avec la police, puis comme, pas grand chose qui se passe, là, mettons, là, comme, j'ai pas trippé. En tout cas, si vous l'avez vu, vous me direz ce que vous en avez pensé, vous. Mais moi, j'ai pas full trippé. Mais ça a l'air que le dernier épisode, c'est genre « Oh my God! » Fait que... À suivre. Fait que je vais bientôt aller laver ça, puis je vais me maquiller après. Donc, je viens de me rendre compte, j'ai fini les 13 épisodes de La Casa de Papel. Puis que ça, c'était la partie 1. Puis il y a une partie 2 avec encore comme, je pense, 13 autres épisodes. En tout cas, merde, ça finit plus! Fait que là, je me suis dit que, parce que je suis comme, là il commence à avoir de l'action, puis là ça commence à être intéressant, genre rendu à la partie 2, tu sais. Fait que je me suis dit que j'allais couper les nouveaux tissus qu'on a achetés pour Brico au chou hier. Donc, si vous écoutez le vlog, c'est un sneak peek de ce qui s'en vient. Donc, je sais pas si, en tout cas, si vous saviez pas, Brico au chou, c'est une de mes compagnies aussi avec une de mes amies, Cheryl. Donc, on a lancé récemment les choux pour bébé, comme bébé enfant, là. Donc, j'ai acheté hier 4 autres nouveaux tissus. Regardez comment ils sont cute! Genre, lui, c'est mon préféré, je pense, Mickey Mouse, là. Ça va tellement être cute en petits choux de bébé. Les arc-en-ciel aussi sont full beaux. Et Lukiti, ça l'avait full pogné. On avait eu un... on avait déjà acheté un, c'était pas le même, là. Puis il avait full pogné, donc... En tout cas, juste trop cute. Puis sinon, on a ce tissu-là pour une nouvelle collection. Et celui-là, comme ils sont vraiment beaux. Fait que je me mets là-dessus pendant que j'écoute ça.
comme puis je vais sûrement faire des bracelets après là. Je suis un peu motivée pour ça. Fait que voilà. Donc je viens de terminer de filmer une vidéo assis, comme pas un vlog là. C'est, ça faisait longtemps que je n'avais fait un, puis en plus c'est une vidéo que vous allez aimer parce que c'est un haul. Je vais aller faire le montage de cette vidéo là, il va déjà être fait. Puis c'est un haul, un petit haul avec mes morceaux préférés du moment aussi. Ce soir je m'en vais parce que là on est vendredi et là il est pas mal 7. Oh, il est déjà 7h30, oh my god. Quand Liz a fini de travailler, après on s'en va prendre un verre à la Chienne à Jacques. Si vous connaissez, si vous êtes de la Rive-Nord, vous connaissez peut-être, là, c'est nouveau, ça fait pas tant longtemps que c'est ouvert. Puis, il y en a juste un, là. Ouais, c'est comme un resto-bar, mais c'est pas vraiment un bar parce que ça ferme à comme 11h30, comme là. Fait que après le monde, ils vont souvent là manger, prendre un verre, puis ils vont là après, comme ils vont après ailleurs veiller. Fait que c'est ça qu'on va faire ce soir. Et puis voilà. Donc, il est rendu 10h30. J'ai terminé d'éditer mon vlog. Il est planifié pour demain être en ligne. Ben, vous allez l'avoir déjà vu là. C'est comme il est en ligne hier. Comme fait que ça. Puis là, j'attends Lisa qu'elle ait terminé. Tantôt, elle était comme « Ah, je pense que je vais finir tôt à 9h » qu'elle m'a dit ça. Non, puis là, il est presque 11h. Fait que finalement, elle finit pas tôt. Mais là, peut-être qu'elle est en train de faire son ménage. En tout cas, j'espère. Mais je vais vous montrer mon outfit. Fait que, mais je suis encore pas sûre là, de moi. Regardez ça là. Don't mind this, là. C'est, ça fait vraiment dur, mais bon. Coat, jeans, Forever 21. My god, j'avais oublié. Ce chandail-là, écoute, c'est vraiment vieux, là. J'allais le donner, mais ça a trop une valeur sentimentale. Puis là, je l'ai ressorti, puis ça fait tellement d'années que je l'ai pas mis. C'est marqué « Wasted Youth ». Pis je sais pas, je l'ai tellement porté comme là, une couple d'années là, pis genre je peux pas m'en défaire, fait que je l'ai ressorti à soir. À suivre, voir si c'est beau ou pas là, je suis pas sûre. Là, à cause j'ai un coat jeans noir, mais sérieux, ça fait dur ces jeans-là. Je veux des mom jeans noirs, mais j'en trouve pas que j'aime. Fait que en tout cas, là c'est ma seule paire de jeans noirs, sinon je pourrais mettre des leggings, mais là pas avec ce chandail là, pis en tout cas. Whatever, là. Fait que c'est ça. Puis j'ai mis... Ah, merde, on va... J'ai mis boucle d'oreille anneau. Comme ça. Puis ma coiffure, ben, c'est un genre de half bun. Like this. Je sais pas si on voit bien, mais en tout cas. This. Puis j'ai comme aplati mes cheveux hier, là. Ça faisait des... Ça faisait tellement longtemps que je les avais pas aplatis. Puis, oh my god, ils sont tellement longs, là. Il m'arrive genre à taille. Même ma coiffure, je suis quand même pas sûre. Là. Vous en pensez quoi, vous autres? Ça fait longtemps que je me suis pas fait ça et je me faisais ça avant, genre au... V'là comme 3 ans. Là. Puis sinon, c'est tout. Là. Il me reste juste à me brosser les dents puis me mettre mon rouge à lèvres que je mets tout le temps. Ben c'est pas un rouge à lèvres, c'est un crayon. Là. You know what I'm talking about. This, de NYX. Le... Doux murmure. Comme je vois même pas le nom. Ouais. Il était tellement rendu petit, j'en ai acheté un autre. Quelque part. Fait que, ouais. Je vais vous dire bye maintenant. Je pense que là, il va se terminer là. En tout cas, je sais même pas s'il va être en ligne parce que je sais même pas si j'ai filmé de quoi de pertinent là, aujourd'hui. Mais bon, on va voir ça demain au montage. Fait que, ouais. On se voit dans une prochaine vidéo. Et ça n'arrête pas de flasher depuis tantôt. Je sais pas ce qui se passe dehors, là, mais je vous dis. Au revoir, maintenant. Fin du vlog. Bye! Ok, finalement, j'ai genre carrément changé de outfit. Après, j'ai mis ma casquette. Parce que vu qu'il pleut dehors, j'ai comme pas de manteau avec capuchon. Là. Ça me tente pas d'en mettre. Fait que je me dis comme ça, mes cheveux, ben, ils vont pas être lettres. J'ai mis un chandail long de même. Que je sais plus où j'ai acheté. Avec mon coat jean encore, mais des leggings. Just do it. En tout cas, vraiment, revirement situation. Fait que là, je vais parce que Liz, elle a fini. Fait que, bye pour de vrai la gang. Ciao!